on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel, un ouvrage qui nous vient de chez Ortho Éditions et qui s'intitule donc Les parents au cœur de l'intervention orthophonique. Cet ouvrage s'articule en trois parties. Vous avez dans la première partie les trois temps de l'intervention orthophonique, pour la deuxième partie en situation et la troisième avec les parents. Chose importante à savoir avec cet ouvrage, donc vous avez tout un tas de fiches cliniques et autres à imprimer donc depuis le site Ortho Éditions que vous aurez donc en achetant évidemment le bouquin. C'est très intéressant, je ne vais pas tout vous montrer dans la vidéo sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais voilà, je vous le signale avant et comme ça vous saurez un petit peu d'où viennent toutes ces fiches. Donc on va reprendre donc au niveau de la première partie pour les trois temps d'intervention. On va donc parler ici de l'anamnèse et de l'évaluation. Clinique numéro 1, donc dans la première partie du bouquin niveau anamnèse, vous avez donc toutes les questions importantes qu'il faut poser et toutes les informations donc nécessaires à avoir qui vont vous permettre donc d'étayer votre bilan. Au niveau de l'évaluation, donc vous avez par exemple des types de compte-rendu comme ça, inventaire. Et puis vous avez donc toutes sortes de grilles d'analyse, d'évaluation, etc. qui sont aussi focalisées sur différents sujets. Donc par exemple ici c'est sur l'oralité, des choses à voir au cabinet et des choses à voir avec les parents. Vous avez également des grilles de synthèse pour l'évaluation qui sont vraiment très intéressantes. Et donc comme vous le voyez, vous cochez à chaque fois oui ou non dans les petites colonnes. On arrive ensuite donc dans la deuxième partie du bouquin, donc en situation, avec des situations d'interaction, de conversation et de coaction. Voilà donc un exemple de fiche. Ici donc dans la situation de conversation, on va donner donc des procédés d'étayage, donc par exemple l'imitation, et donc on vous explique plein de choses, des définitions, etc. Ici on a par exemple donc l'indissage avec tous des procédés, donc l'ébauche orale, la contextualisation, le geste indice, la phrase porteuse, la question à choix, etc. etc. Et la troisième partie du bouquin donc sur les parents, avec les parents interlocuteurs, partenaires et relais. Donc des fiches sur l'apprentissage des leçons par exemple. Et puis vous avez toutes des fiches donc sur les domaines bien spécifiques comme par exemple ici sur l'articulation, pour l'apprentissage de la lecture au niveau de la voie d'assemblage. Pareil pour la voie d'assemblage, pour le lexique, pour l'orthographe d'usage, pour la phonologie. Et donc bien d'autres, vous avez également par exemple pour le temps de la rééducation donc un schéma de l'intervention qui peut être aussi tout à fait intéressant à regarder. Au niveau de la communication, vous avez aussi des tableaux avec des moyens augmentatifs et alternatifs donc pour la communication. Voilà donc pour cet ouvrage et toutes ces fiches, donc comme je vous ai dit, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elles sont très intéressantes, le bouquin également. Il y a plein de fiches aussi à donner aux parents, donc c'est vraiment super. Je pense que les objectifs du bouquin sont remplis. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle présentation de jeu.